on bâtit sur des résolutions. C'est par cette citation de Anne Bernard que nous ouvrons la une des journaux de ce lundi 27 décembre 2021. Mesdames et messieurs, amis chers téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour. Commençons par Dynamisme Info qui titre en manchette 2021, année de crispation politique pour le Bénin. Vivement un changement de paradigme en 2022. Attaque terroriste dans le nord Bénin. La criette entendue sur l'ouverture d'une information judiciaire. L'Observateur placade 25 décembre 2021 et appel du vénérable suprême Patrice Nobimé à Bodranfo aux chrétiens. Cessons de commémorer la nativité du Christ dans la bouche. Accès à l'énergie. Le Bénin atteindra l'autonomie énergétique d'ici 2026. Tournons notre regard sur les quatre vérités qui titrent en manchette Wilfried Léandre Roubédi à propos de l'énergie électrique. Le Bénin pourra couvrir d'ici 2026 les 100% de ses besoins. Actualité politique au Bénin en 2021. La réforme du système partisan n'a pas bien fonctionné, selon Benoît Degla. Le pays émergent titre en manchette, gestion à la tête des fédérations sportives, des championnats approximatifs, des subventions mal gérées. Et pourtant, le ministre Oswald Omeki ne dit rien. Nonchalance et lenteur du traitement des dossiers à la DGES, Patrice Talon et Léonore Yayi, appelé à mettre fin à la pagaille. Le potentiel met à la une rupture inattendue de contrat de travail dans une structure publique. 50 agents licenciés, l'ACEP Bénin crée un drame social. Admis à faire valoir le droit à la retraite, les mérites de 11 cadres reconnus par le DG Sobumap. Le clairon placade remise de prix de l'initiative de la ceinture et de la route de soie. 44 lauréats sélectionnés pour la troisième édition. SGDS en action à Boumé-Calavi. Une soirée de sensibilisation à Tempe et Maria Gueletta. Terminons avec le grand regard qui placade retour au bercail d'anciens membres fondateurs de la FCBU. L'histoire donne déjà raison à Paul Houpé. Après la condamnation de Madougou et à Ivo, l'ex-juge Batamoussi insiste sur la partialité de la criette. Ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez juste après moi une équipe de la rédaction pour le décryptage de l'actualité. C'est à cause de vous, moi je suis là. On a fait une dague pour que tournage de Milano Blolé, photo de Milano Delé, clé pour Milano Blolé, et de la lunette. Mais les réseaux sociaux disent alors, les chaînes de boutiques et en haut, gratuit, sans maillot, un franc le mégon. Et dit, mais les soumis au tout là, Canon 5D Mark 3. Et des photos nous, y a oui, et bon vidéo nous, maintenant il faut soit photo. Et voilà, mais il faut aussi en se réorier. Vous, mais il faut fumer les biwi. Bon, imaginez-nous le crée. Nous, nous, net. Azeï, très fort. Je te jure qu'il y en a un autre, tu m'as dit. Puis, passé, il dit. Azeï, chaîne débouti, même serré, il a fait un oui. Et non, crée, même micro, ben, a une caméra. Bon, brioter au son débouti, même Azeï, houta, était tourné noir pour débouti. Et nos filtres brillent, puis la donne pour notre tête pour mon numéro 91 51 04 04. Abamana ho y en a sanoui. Abamana loué y en a vol loué. Lumière des badio, puis oui, et les vodos. Il doit apparaître pour voir le soubeton pour la tchèfine. Adon yintien, apparaît au dien à dje. On donc comme malon, pour les bourrateaux. 91 51 04 04. Je vous dis d'acheter, mais à quoi nous voir mieux?
téléspectateurs, c'est le moment du décryptage de l'actualité où je reçois pour vous Michel Canlissou. Michel Canlissou, bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Pour cette fois-ci, on va parler de cette ambiance qui a vraiment célébré, qui s'est célébré du moins à Calavi la semaine dernière suite à la Noël. Et parlez-nous un peu de cette ambiance. Bien évidemment, le samedi dernier, c'était la fête de la Noël. Nous avons célébré cela avec joie. Seulement que dans la commune d'Abomey-Calavi, puisque c'est de ça que vous avez parlé, c'est une grande commune, c'est une commune ou bien c'est une ville d'Otoi. Beaucoup de fonctionnaires sont là, beaucoup d'entrepreneurs ont leurs enfants. Donc normalement, dans cette ville, on devait normalement sentir l'effervescence. On devait sentir la fête. Comment cela se passait? Seulement que j'ai fait un tour le samedi dernier. J'ai sillonné un peu quelques quartiers. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Normalement, en temps, on voyait les caritas sortis. Même le 25 décembre, beaucoup d'enfants étaient en joie. Il y avait beaucoup de promenades. Même les accoutrements aussi faisaient parler. On sent que c'était la Noël. Mais le samedi dernier, il faut dire que tout le monde était chez lui. Je ne sais pas si cette ambiance, c'est seulement dans les maisons que ça s'est fait ressentir. Mais dans les rues, on n'a pas tellement senti cette ambiance-là. On dirait que les parents d'aujourd'hui ne savent plus donner la joie de la Noël aux enfants. Comme nous, nos parents nous avaient donné dans les années 2000, 2001, 2002, par là. Ça faisait beaucoup plaisir. Cette fois-ci, on n'a pas pu sentir cette effervescence-là. Je ne sais pas si de votre côté, puisque vous devez être de Djougou normalement. Je suis d'Abomey. D'accord. Certainement que de l'autre côté d'Abomey, la fête, on peut dire que là-bas, la fête, ça, c'est bien. On peut bien ressentir cela là-bas, puisque c'est une ville qui. Où il y a un peu plus d'hospitalité, il y a un peu plus de joie. À Cotonou et à Calavi, on peut dire que c'est des files de travail. Donc peut-être que c'est ce qui a justifié cette fois-ci l'ambiance qui a manqué un peu. Bon, l'analyse que moi je fais, c'est que les parents, compte tenu de la morosité économique, ont voulu quand même reporter la célébration de la fête de la nativité de Jésus-Christ, la Noël. Ils veulent certainement reporter cela et fêter la Noël avec la fête de la nouvelle année. Merci Michel Canlissou. Ce sera tout pour la une, pour le décryptage de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.